Amis forestiers, bonjour. Voilà la parcelle de frêne dont on a parlé hier, qui est complètement atteinte par la calarose. Vous voyez que c'est un véritable carnage. Et de façon assez curieuse, il y a un frêne au milieu qui semble beaucoup moins atteint que les autres, puisqu'il a atteint un diamètre de 50 à 1m30, alors que les autres font plutôt 20, 25 cm au maximum. Donc on dirait bien une souche de frêne résistante. Il est complètement indemne de calarose, il n'y a pas de pourriture, le pied est sain. Alors aux extrémités, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelques branches mortes, mais c'est quand même beaucoup moins que sur les autres. Voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, de ces frênes qui semblent peu atteints par la calarose? Qui contactez-vous pour essayer de voir ce qu'on peut en faire et pourquoi ce frêne semble peu atteint par la calarose? Merci de me donner votre avis dans les commentaires.